RMC, l'immanquable grande gueule. Ça me plaît pas du tout les palpations par des agents de sécurité de la RATP et de la SNCF. Pour passer ma vie dans le métro, effectivement, c'est que des délits de faciès. Vous allez à Châtelet, ceux qui se font contrôler, c'est toujours des blacks ou des rebeux. Donc ça va amplifier ce phénomène. Par rapport aux OPJ, en fait, ça me semble normal. Les officiers de police judiciaire. Parce qu'ils sont dépositaires de l'autorité judiciaire, avec ou sans procureur. Donc ils sont légitimes à mes yeux. Le vrai problème pour moi, c'est la légitimité. Je ne respecterai pas un agent de la sécurité ou de la SNCF qui vient me demander arbitrairement d'opérer sur moi des palpations. C'est juste absolument inenvisageable. Je crois quand même que ça doit être une agent de sécurité. Voilà, déjà. C'est non, une femme et pas non, un homme. Ensuite, je rebondis sur ce qu'a dit Étienne. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que les terroristes ne sont pas stupides. Ils sont aussi intelligents que nous et qu'ils peuvent aller dans des lieux de foules qui sont ailleurs que les transports en commun. Donc de toute façon, ça ne résout pas le sujet. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est ailleurs et dont on parle assez peu finalement. C'est que quand il y a un problème, les Français baissent les yeux. Il n'y a pas beaucoup de courage collectif. Et que plutôt que de mettre des agents de la sécurité RATP ou SNCF comme des shérifs avec des flingues et des matraques qui vont faire peur à tout le monde et pour lesquels ils ne sont pas légitimes aux yeux d'un paquet de Français, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler sur le courage, le patriotisme, la solidarité Il faut des années, entre les Français? Il faut des années. Hein. Peut-être, mais on pourrait commencer. RMC, 1, 2, 3, 4, l'immanquable grande gueule.